Qu'est-ce qui fait ta différence? Qu'est-ce qui fait ta différence en immobilier, en business? C'est ce que je vais parler. Bonjour, je suis content de te retrouver. Alors, pourquoi tu dois savoir ça? Pourquoi tu dois connaître ta différence? Déjà, pour te démarquer, on l'a vu, pour te démarquer de tes concurrents, que tu sois facilement identifiable. Par exemple, moi, qu'est-ce qui fait ma différence? C'est que, voilà, j'aime les chats. Ça, c'est une différence, mais bon, on s'en fout de ça. Je parle plus souvent et je rentre en connexion beaucoup plus facilement avec des jeunes entrepreneurs martiniquais, parce qu'on a une histoire commune. On est martiniquais, guadeloupéens, guyanais, voilà. Ça te parle. Je connais le marché, j'ai vécu en métropole. Donc, c'est ça qui fait ma différence, c'est tout ce qui fait mon expérience. Je vais peut-être t'enseigner les mêmes choses que les autres, sauf que j'ai une connaissance différente. Bizarre, je m'appelle Audrey. Audrey pour un mec, c'est bizarre. Et moi, je m'en fous. Ça me permet de me connecter plus facilement avec des jeunes femmes entrepreneurs. Parce qu'elles me voient comme moi, j'ai toujours été le confident. Il n'y a pas le jeu de séduction qu'on essaie d'avoir avec... Non, je suis ton meilleur ami. Si tu es une femme, voilà, je n'ai pas cherché à avoir ça. Mais c'est ce que mon prénom renvoie. Et ça, ça me met à mal pour aider les jeunes entrepreneurs. Voilà, c'est ça. C'est ça qui fait la différence. Moi, je te donne mon exemple. Mais ça peut être l'exemple de mes entreprises. Par exemple, à l'auto-école, ce qui fait la différence, c'est qu'on fait des stages de code. On est les seuls à pouvoir te permettre de faire un stage de code en 3 jours. Et tu réussis, je suis tellement sûr de nos stages de code que je te rembourse tes frais d'examen si tu ne réussis pas en 1 semaine. Voilà la différence. Parce qu'on est sûr de notre pédagogie. Au garage, on a une différence, c'est la proximité. On ne va pas pouvoir rivaliser avec les prix bas. Non, ça ne sert à rien, les mecs, ils se commandent en gros. Non! La différence se fait là. Et c'est pour ça qu'il faut que tu poses qu'est-ce qui te fait la différence. Quand tu vas vouloir investir dans l'immobilier, monter ton activité, il faut que tu puisses connaître ta différence. Qu'est-ce qui fait ton super pouvoir? Voilà, je sais très bien qu'il y a certaines personnes qui vont même pas regarder la vidéo jusqu'au bout parce que ma différence n'est pas leur différence, ils me trouvent trop bizarre. Et c'est tant mieux, parce que moi, je veux attirer des gens qui se reconnaissent en moi, mais qui, voilà, qu'on discute, on aurait pu être amis dans la vie. Façon, mes clients qui prennent l'accompagnement physique deviennent des amis, parce que le courant est obligé de passer. Pourquoi? Je ne peux pas faire des miracles. Ce n'est pas une fonction mathématique qui donne des résultats à tous les coups. Il faut qu'on ait une sensibilité, il faut qu'on voit qu'est-ce qui va te permettre de performer, faire exploser ton chiffre d'affaires. Parce qu'il n'y a pas de système tout fait. Ceux qui pensent qu'il y a des tunnels de vente magiques que tu peux reproduire. Non, c'est pas vrai. Oui, il y a des systèmes. Il y a des systèmes. Quand tu regardes dans la globalité, en mode boîte noire, ben tu vas voir que oui, un tel fait des vidéos, un tel fait de l'Instagram, un tel fait ça, ça marche pour lui, et ça marche pour lui. Mais dans les détails, un truc qui va marcher pour toi ne va pas marcher pour lui. Et vice versa. Voilà, il faut que tu saches qu'est-ce qui fait ta différence. Et si tu ne fais pas, voici ce qui va arriver. Tu vas vouloir courir après l'argent. Parce que comme tu n'as pas trouvé ta recette, ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fait ta différence? Mais tu vois, tu vas, et c'est pour ça que je te demande de t'inscrire, de cliquer sur le lien dans la description, parce que je vais t'aider à trouver ta différence si tu fais ça. Mais je te dirai plus à la fin, reste jusqu'à la fin, je te dirai pourquoi. Tu vas expérimenter toutes les tactiques qui viennent de sortir, toutes les tactiques de... Tu vas aller dans tous les marketing relationnels, si tu es sur le marketing relationnel, tu vas utiliser toutes les techniques d'infopreneur pour vendre des formations, pour faire du Instagram, enfin bref, tu vas faire tout ça. Tu vas pas avoir les résultats à la hauteur de tes efforts, parce que c'est mauvais, enfin c'est la dure réalité de la vie. C'est pas la somme de travail qui fait le résultat entrepreneuriat.
ça qui est horrible. C'est-à-dire qu'un mec qui a travaillé une heure aura peut-être 1000 fois plus de résultats que toi. Donc c'est ingrat, il faut se mettre ça dans la tête. Donc tu seras condamné à suivre la concurrence. Les mecs font une promo, ben je fais des promos. Voilà, pendant longtemps, avant que j'acquière mon garage, l'ancien gérant se calait, puisque le fournisseur était Sommarec, se calait sur les promotions de Sommarec. Alors je sais pas si tu dois citer des marques, mais voilà. Tu seras condamné à te démarquer au plus petit dénominateur commun si tu ne fais pas ta différence. C'est le prix. Et tu seras condamné à avoir des clients qui ne sont pas fidèles, parce qu'ils sont fidèles au prix. Aujourd'hui, c'est X qui vend le moins cher, ben je vais chez X. Et aujourd'hui, c'est toi, ben, je vais chez toi, mais je m'en fous de ta gueule. Excuse-moi de parler prudemment quand je te parle de ça, mais je le vis tous les jours, au jour le jour. Je vois trop d'entrepreneurs tomber dans ce piège. Donc, voilà ce qu'il faut. Et moi, ce que je veux, si tu es un entrepreneur, une entrepreneuse qui porte un projet, qui galère, elle a galéré pour faire son projet, si tu as galéré pour faire ton projet, pour faire sortir de terre ton projet, et tu te rends compte que 1 an plus tard, 10 mois plus tard, tu ne gagnes jamais, tu ne gagnes toujours pas de ton business. 2 ans encore, tu ne gagnes toujours pas, tu survis, tu te payes à peine le SMIC tous les mois. Tu as du mal à payer tes charges. Ben c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je parle surtout à toi. Pourquoi ? Parce que je suis passé par là. J'ai aidé plein de mes clients à passer par là, à surmonter ça. Ils étaient là, à ton niveau en ce moment. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que on va discuter. Déjà, inscris-toi dans mon club privé et tu as l'opportunité d'avoir un cadeau de 357 €. C'est 1 heure en webconf avec moi pour qu'on comprenne ce qui ne va pas, pourquoi, et on voit si on est sur la même longueur d'onde. Donc voilà ce que je te propose. Et pour ça, il faut t'inscrire. Je ne peux pas mettre le lien de mon agenda en ligne sur une vidéo publique parce qu'il y aura trop de personnes qui vont me faire perdre mon temps. Je veux que tu t'inscrives parce que tu auras envie d'y arriver. Je ne veux pas que tu passes à côté parce que une personne qui ne serait pas vraiment intéressée me prenne ton temps et vole ton créneau. Voilà pourquoi je te le demande à t'inscrire. Et si tu es prête, on aura peut-être l'occasion de discuter au téléphone ou en visioconférence. Voilà ce que je veux. Donc inscris-toi, vraiment, vraiment, c'est intéressant, c'est important. Surtout pour toi, parce que moi, je te garantis que voilà, j'enregistre la vidéo d'un de mes systèmes. J'ai pas besoin de ça. Pas besoin de ça, honnêtement. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'il y a des gens qui l'ont fait avant pour moi. Et je dois le relève. Je dois préparer la relève. Voilà, j'ai l'air jeune, mais j'approche la quarantaine. Au moment où tu écoutes la vidéo, peut-être que j'ai 40 ans. Donc à ce moment-là, je suis plus un vieux entrepreneur, entre guillemets, qu'un jeune entrepreneur. Le jeune entrepreneur que j'étais et qui avait besoin de cette aide. Donc j'en ai tellement bavé pour arriver à ce résultat que je veux te faire économiser pas mal de choses. Donc inscris-toi et puis on en reparle plus tard. Allez, bye bye.